Geeks Live est un salon gratuit organisé par le Journal du Geek qui s'est tenu le 24 octobre dernier à Paris. On pouvait y découvrir les dernières innovations technologiques de cette fin d'année. Je vais remettre les choses dans le contexte. Moi, j'étais venu à la base parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait la Xbox One et la PS4. Et au final, on a vu des smartphones déjà sortis, des TV super grandes, des casques écrans du futur qui fonctionnaient pas des masses, des smartwatches, un babyfoot 4G, Get Lucky joue à l'accordéon du futur. C'est lourd de ouf, gars. Des smartphones utilisables dans l'eau, des appareils photo numériques qui ressemblent plus à des smartphones, des gens, encore plus de gens, des trucs gratuits, des consoles portables estampillées Arcos et des notebooks ultra légers. Donc aucune PS4 trouvable sur salon, et si on avait quand même droit à une démo non jouable de la Xbox One. Donc voilà, là c'était le petit résumé de Geeks Live, mais en fait le vrai truc où on a passé beaucoup de temps avec mes potes, c'était la collecte de tickets. En fait, à l'entrée, ils nous donnaient 10 tickets comme ça, et avec ces tickets, on pouvait aller soit se restaurer au bar, soit on pouvait les accumuler et après les dépenser à la vente aux enchères. Et la vente aux enchères, en fait, on pouvait gagner des smartphones, des tablettes, des lots high-tech, finalement. Et donc, voilà, on a accumulé. Mission ticket les gars, mission amener des bonbons aux meufs pour les tickets. Les meufs de l'accueil avaient des bonbons et elles avaient des tickets. Je peux les prendre ceux-là? Je peux les finir? Moi je peux prendre les mêmes. Allez-y. Bon. On a voulu faire les mêmes bières, chocolat et bonbons. Voilà, Après cette magnifique collecte, nous avons dénombré plus de 2000 tickets comme ça. Donc ça faisait une putain de gros tas de tickets. On pouvait faire les mecs thug et les balancer comme ça. Bon là j'en ai qu'un. C'est ridicule. Et on a réussi tant bien que mal, avec perte et fracas, à glaner le LG G2 avec son imprimante de valeur de... On sait rien. Donc voilà, on n'est pas reparti les mains vides. C'était cool à refaire je pense. J'espère qu'il y aura beaucoup plus d'innovation que ça l'année prochaine. Enfin, des trucs un peu plus... Voilà, parce que montrer le Galaxy S3 alors qu'il est déjà sorti, s'en bat un peu les couilles, hein, on va pas se le cacher. Montrer un casque du futur, c'était cool, sauf qu'il marchait pas. Ça aussi, hein, Sony. Peut mieux faire. Après, il y avait vraiment des trucs classe, genre des télés super plates. Genre... Tu vois, cette feuille est encore plus plate que ça. Non, c'est pas. Sinon, ça se casse. Même un rétroprojecteur, c'est possible. Ça sert à quoi d'un truc aussi. Donc voilà, c'était une petite review du son Geeks là. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est vachement amusé à le faire avec toute l'équipe, tous mes potes. C'était super sympa. N'hésitez pas à aller sur le site de MonkeyEd et à commenter cette vidéo s'il y a des trucs qui vont vous choquer, comme par exemple quelqu'un qui est en train de dessiner juste derrière moi. C'est normal. C'est pour le bien de MonkeyEd. Don't you wanna see me? Daddy, why did you make me?